Ceci est le jour, ceci est le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Ceci est le jour, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Alléluia. Que la louange, la gloire et l'adoration soient à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que la plénitude de sa grâce. Les frères et moi, nous vous saluons. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je suis très heureux d'être avec vous. Amen. Ce matin, d'être reçu par mon bien-aimé, frère et tous ses collaborateurs, ici dans cette assemblée que je visite la première fois, sinon deux fois. Nous sommes déjà rencontrés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et aussi, nous étions très heureux de ce que nous avons pu vous compter parmi tous ceux qui étaient arrivés lors de la venue de notre bien-aimé frère Ewald Frank. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Quand il est reparti et que j'ai pu le voir, il m'a chargé de vous saluer. De saluer tous les frères et sœurs, de saluer tous les serviteurs de Dieu. Donc, comme l'occasion m'est donnée, voilà, de prendre le micro parmi vous, je vous transmets ces salutations. Amen. Sa prière qui veut voir vraiment les serviteurs de Dieu œuvrer dans le même esprit. Et le peuple de Dieu parvenir à l'unité de la foi. Que toute la louange et la gloire soient à notre Dieu. Encore une fois de plus, je dis merci à mon bien-aimé frère. Que Dieu te bénisse. Je me réjouis déjà de la parole qui vient d'être lue. Alléluia. Je crois que nous aimons les Saintes Écritures. N'est-ce pas? Nous aimons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Il est écrit, vous le savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il est écrit dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Elle était la lumière des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant, elle est venue chez les cieux. Et les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Gloire. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, pas parce que vos parents l'ont voulu. Lesquels sont nés
Alléluia. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Amen. Et la parole est de chair. Et la Bible est parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire venue du Père. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Merveilleux est notre Rédempteur. Doux est notre Jésus. Quel beau nom à nous parler. De prononcer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rien d'autre que lui ne me suffit. Amen. Que toute la louange et la gloire soient à notre Dieu. Ce matin, je voudrais avec vous considérer quelques saintes écritures. Alléluia. Considérez la parole du Seigneur. Nous n'avons rien. Lorsque nous sommes rassemblés, nous n'avons rien à voir depuis la parole. Amen. Non pas à savoir qui est quoi. Nous voulons savoir si c'est la parole du Seigneur qui est plantée parmi vous. Amen. Et Paul peut dire, dans le chapitre 1, verset 16, je n'ai peur de l'évangile. Je n'ai peur de l'évangile. Qui est ici à rendre l'évangile? Je ne pense pas que quelqu'un ici a rendu l'évangile. Je n'ai peur de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et si vous avez écouté que le Seigneur bon, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Gloire et honneur soit à notre Dieu. C'est vrai, ceci est le jour. Ceci est vraiment le jour que le Seigneur a fait. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Amen. Dieu s'est souvenu de son alliance. Dieu s'est souvenu de son peuple du Nouveau Testament. Alors que nous acheminons vers la fin de l'histoire du salut et que ce premier évangile va être balancé chez les Juifs avec le témoin et les Moïse. L'église des nations, ça va à la fin. Et nous pouvons dire, les nations se disloquent. Israël se réveille. Oh, pour nous, le temps des nations est compté. Est compté. L'honneur tous nos civiques. Amen. Des attentats par-ci et par-là. Des guerres par-ci et par-là. Mais la Bible dit, cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Mais alors, l'évangile du royaume sera publié sur toute la terre habitée. Alors, Dieu de la fin. Matthieu 5, verset 14. L'évangile du royaume, la parole du salut sera publiée. Alors, Dieu de la fin. Amen. Pas la parole pratiquée, falsifiée, dénaturée. Non. Mais la parole de Dieu sera sortie de Jérusalem. Amen. L'authentique parole de Dieu. Le message biblique. C'est de ça qu'il est question. Tu as promis de raisonner toutes choses, de ramener toutes choses à son état initial, à ce qui était au commencement, la prédication apostolique. Amen. Tel que Paul a prêché, tel que Pierre a prêché. C'est de ça qu'il est question. Par ici soit donné de vous. Alléluia. Gloire et honneur et louange soit à notre Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je me ferai la peine de pouvoir bénir dans le temps. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Mais Éphésiens 4, verset que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Ceci est le jour. Ceci est le jour. Tu pourrais dire à Israël, si tu avais connu ton jour, l'heure de ta visitation, avons-nous connu notre jour? Connaissons-nous le temps dans lequel nous vivons? Sommes-nous conscients du temps dans lequel nous vivons? Sommes-nous conscients de notre responsabilité aujourd'hui? Alléluia. Il a dit ici, et il a donné les cinq hommes apôtres
Les hommes comme prophètes, les hommes comme évangélistes, les hommes comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Il a donné les uns comme les autres. Qui est le prophète? Alléluia! Qui est l'évangéliste? Qui est le docteur? Qui est le pasteur? Le pasteur de nos âmes. Alléluia! Et par son esprit, il fait les autres hommes. Amen! C'est pourquoi le prophète, il doit agir comme lui. L'apôtre, il doit agir comme lui. L'évangéliste, il doit agir comme lui. Le docteur, il doit agir comme lui. Le pasteur, il doit agir comme lui. S'il n'agit pas comme lui, il ne l'est pas. Alléluia. Oh. Ceci est le jour. La restauration de toutes choses doit entraîner la restauration de la parole. La restauration des ministères et cela appelle la restauration de la prédication pure à procéder de la parole de Dieu et doit entraîner la restauration de l'église. Amen. Pour que toute chose soit ainsi restaurée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas l'imagination des hommes. Amen. On ne prêche pas avec des rêves. On prêche en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Oh, merveilleux. Amen. Alléluia. Il dit à Jean, ce que tu vois, écris-le. Ce que tu vois, écris-le. Ce que tu vois, écris-le. Amen. Les gens à Timothée. De Timothée plutôt. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas bien ordonner les choses. Je prêche. Que le Seigneur l'ordonne. Amen. Alléluia. Je prends mes passages. Je les lis et j'avance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Loué soit le nom du Seigneur. De Timothée chapitre 1, verset 13. Je lis ici tout de suite. Alléluia. De Timothée chapitre 1. Verset 13. Alléluia. Retiens de la foi et de l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes écritures, des saintes paroles, pardon, des saintes paroles que tu as reçues de moi. Saisissez-vous cela? Amen. Retiens de la foi et de l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles, des saintes paroles que tu as reçu de moi. Garde le bon repos par le Saint-Esprit qui habite en nous. De Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Avez-vous fait cela? Qui dispense droitement, droitement la parole de la vérité. Amen. Gloire, honneur, louange et adoration soit à notre Dieu. 2 Corinthiens, Timothée, chapitre 3, verset 14. Demeure dans les choses.
apprise et reconnu ses pères, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Pas dans une école de théologie, amen, mais au pied d'un homme enfant de Dieu. Amen. Timothée, instruit au pied d'un homme enfant de Dieu. Alléluia. Quand sur le chemin de Damas, cette grande lumière l'a aveuglé et l'a fait basculer par terre. Et que la voix a crié, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de réjouir contre les aiguillons. Alléluia. Mais Paul dit, rentre la ville et on te dira ce qu'il faut faire. L'orientation est capitale. Amen. Vous êtes orienté vers un homme qui ne sait pas. Oh, discerne sa main droite, sa main gauche. C'est pas où tu habites. Il vous conduira dans le faux. Amen. Dieu a toujours pris soin de conduire ses enfants vers la source. Amen. Et la source véritable. Alléluia. Vers l'orientation. Et une orientation véritable. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il fait les choses avec précision. Car vous devez le savoir qu'il est l'architecte et le constructeur. Savez-vous cela? L'architecte et le constructeur. C'est-à-dire quoi? Celui qui a conçu le plan et celui qui exécute le plan. Amen. Amen. Aujourd'hui, habituellement, l'architecte fait le plan, il donne à un technicien, il s'en va partir. Il peut ne pas connaître bien le plan. Il peut ne pas savoir lire la pensée de l'architecte. Voyez, il y a certains secrets dans le bâtiment. Amen. Mais ici, alléluia, ici, nous avons l'architecte. Il n'est pas seulement l'architecte, mais il est le constructeur. Il est le constructeur. Et Paul pourrait dire, comme avez-vous saisi? Je ne pense pas encore. Comme un sage architecte. Paul n'a pas dit qu'il était architecte, mais comme un sage architecte. Alléluia. Oh, louange soit à notre Dieu. Hors de moi-même, comme un sage architecte, je pose le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, parce que le fondement c'est Christ. Alléluia. Je pose le fondement comme un sage architecte et le fondement c'est Christ. Et Christ est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Pas les interprétations. Son nom est la parole de Dieu. Savez-vous cela? Amen. C'était là du lion. C'était là du lion. C'est pas lui le lion de la tribu de Judas. Non. Mais c'était là du lion. Le lion rougissait. Alléluia. Le lion rougissait. Les doctrines fondamentales de l'Église étaient posées. Alléluia. Amen. C'était bien posé. Et Paul pouvait dire, si nous-mêmes, aussi un âme descend du ciel, et vous en savez autre chose que ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit, c'est le canon biblique. Alléluia. Et Jean dans le livre de l'Apocalypse, à la fin complètement, pouvait dire, oh, le Seigneur signe à la fin de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, amen, ou si quelqu'un reprend quelque chose de ce canon, un livre achevé. Amen. 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 Il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Je veux vous parler ce matin de la parole de Dieu, de la véracité de la parole de Dieu, de l'authenticité de la parole de Dieu. Amen. Qui exclut toute interprétation, toute la pensée humaine, toute la pensée des hommes. Amen. Que l'homme soit reconnu pour menteur,
Vous savez cela? Que l'homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour la vérité. Amen. Nous devons savoir ce que Dieu a mis dans nos mains en ce temps de la fin. Savoir ce que Dieu a mis dans nos mains en ce temps de la fin. Amen. On ne reçoit pas de message. Le message. Et le message devient une autre chose. Une forme de religion. Une forme de religion qui ne dit pas son nom. Amen. Mais le message, c'est la Bible. Et la Bible est le message. Amen. Vous n'avez pas dit amen, hein? Le message, c'est la chose. Tout ce que vous avez dit à la Bible. Amen. Vraiment pouvoir les superposer. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas autre chose. Oui, lors de cette grande expérience que le frère a eue, alors qu'il était monté, sorti hors de son corps, et qu'il était monté, alléluia, et qu'il a rencontré ces milliers de personnes qui accouraient et qui appelaient notre cher frère Branham, notre cher frère, notre bien-aimé frère, notre bien-aimé frère. Alléluia. Alors, vous avez dit, mais tout cela sont-ils des Branham? Non, ce sont des convertis. Ils sont des convertis. Alléluia. Alors la suite va se. Alors la scène va se poursuivre. Voyez. Et puis, bien, mais le temps vient. Voyez. Où vraiment tu seras jugé par rapport à tout ce que tu as prêché. Par rapport à tout ce que tu as prêché. Oh, vous êtes heureux de voir dans la suite. Il pourrait dire quoi? Parce qu'on sait que l'épouse ne passera pas à un jugement. Hein? Sinon, seulement au tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, nous le savons tous, que c'est le tribunal de félicitation et de distribution de récompenses avant la grande festivité. N'est-ce pas? Voilà. Mais si tu vas comparaître à un certain jugement, je suis dit, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais comment? Il dit, oui, tu seras jugé avec ce que tu as prêché. Voilà. Et il pourrait dire, mais Paul, ah oui, il va savoir au sujet de Paul. Et Paul, parce que tous, on doit se référer à Paul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme Moïse a reçu la loi, les cinq livres, la Torah, aujourd'hui les Juifs ont tout appliqué. Voyez, ils ont inventé les Talmud et tout le reste. Talmud de Babylone, Talmud de Rome, et ainsi de suite. Voyez, ça c'est les interprétations de la loi. C'est pourquoi Jésus, quand Jésus vint, il doit dire, vous avez entendu les anciens dire. Les anciens. Amen. Mais quand le Seigneur voulait confirmer, dans Luc chapitre 24, oh, j'aime la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 24, il pouvait dire, ceci a été dit, c'est ce qui a été dit dans le livre de la loi de Moïse et des prophètes. N'est-ce pas? Il n'a pas parlé de la tradition des anciens. Hein? La tradition des anciens. À une certaine limite, à l'homme le sabbat, à une certaine limite, tu peux faire le chant. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la tradition des anciens. Amen. Ce sont les interprétations. Et toutes ces traditions-là, lorsque les Juifs étaient exilés à Babylone, ils ont pris beaucoup de traditions et qui les ont amenés dans la loi pour les accommoder à leur façon de faire. C'était cela. C'est la même chose qui est arrivée avec l'Église des nations. Voyez, avec les différentes déesses et dieux et adorations, vous voyez, ils ont introduit toute forme de culte, toute forme d'adoration païenne dans le christianisme. Amen. Et nous avons aujourd'hui une forme d'adoration païenne du christianisme. Amen. L'Église catholique d'abord, ensuite
toutes les autres églises protestantes, la mère et les filles. Tous, même chose. Voyez, c'est pourquoi on ne peut pas vous étonner de ce grand mouvement œcuménique qui va avoir lieu. Et le seul but de ce mouvement œcuménique, je le sais tellement que je vous l'apprends bien, ce grand mouvement œcuménique, cette union sous Rome, cette union sous Rome, alléluia, et un seul sera la tête, alors que pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est la tête. Même cette grande union, c'est un homme, un super-homme qui sera à la tête. Alléluia. Un homme sera à la tête. Jésus a averti les Juifs. Il a averti les Juifs. Il dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Et vous le recevrez. Il faut le recevoir. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temps de Dieu, se proclamant le même Dieu. Et la parole lui dit, c'est là même que le Seigneur, avec l'épée qui sort de sa bouche, le frappera. Le frappera. Alors que le nom du Seigneur soit béni, loué et exalté, soit le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est authentique. Amen. La parole de Dieu est vraie. Amen. Pas l'interprétation, pas l'interprétation, mais la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et cela est vrai qu'il y a toutes sortes de mélanges. Toutes sortes de mélanges. Mais Dieu a tourné bon. Amen. De ramener toutes choses à son état initial. À son état initial. Que le nom du Seigneur soit béni. À notre Dieu soit toute la louange. Que son merveilleux nom soit béni, soit loué, soit exalté, soit glorifié. Que Dieu nous bénisse de la plénitude de sa grâce. Amen. Alléluia. Vous aimez la parole du Seigneur. Amen. Dieu, par sa grâce, en ce temps de la fin, a restauré toute l'adoration, a restauré la parole du Seigneur, afin que les ministères également soient restaurés. Nous allons le lire tout à l'heure. Amen. Amen. Alléluia. Et comme je le disais, je me rappelle, voyez, Paul dit, comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu lui-même est l'architecte. Amen. Et le constructeur, lui qui connaît le plan. Amen. Amen. Ne pensez pas que le Seigneur bâtit son église sans plan. Il y a un plan à chaque période, à chaque étape. Le Seigneur sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prévoir, quel ministère pour envoyer, quel mandat il faut susciter. Personne n'a instruit Dieu. Amen. De la manière dont il doit conduire son royaume. Alléluia. La Bible dit, Dieu au ciel. Et il fait sur la terre tout ce qu'il veut. Et ce que Dieu veut, il le fait. Aimez-vous cela? Personne ne s'en passe. Amen. Il dit cela. Amen. Et il conduit merveilleusement son royaume. Il conduit les affaires de son royaume. Amen. Une véritable union sous Christ a lieu maintenant. Dites amen. Union sous Christ. Oh. Il y a l'union sous homme. Mais à l'union sous Christ, ça a lieu maintenant. Nous devons saisir cette occasion, cette grâce immense qui nous a été accordée. Je n'ai pas vraiment cette habitude de pouvoir saisir un micro, prêcher, ça me... Voilà, mais je fais avec. Que le nom du Seigneur soit béni. Joël chapitre 2, verset 23. Verset
Verset 25, je parle plus vite. Verset 25. Joël chapitre 3, verset 25. Ok. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la souterraine, le Genève, le Arsine, le Gazab. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous des prodiges. Alléluia. Amen. Et mon peuple. Amen. Amen. Et mon peuple. Pas les autres peuples. Et mon peuple. Comme il est écrit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous croyez en cette parole? C'est pourquoi de tous les temps, le peuple de Dieu, les hommes ont tenté le droit de massacrer tout le peuple de Dieu. Rien ce qu'a subi les protestants. 68 millions de protestants massacrés, selon le martyrologue, sans compter ceux qui n'ont pas été pris en compte. Le massacre des juifs. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a un groupe encore qui attend. Vous connaissez le sort de ces 144 000 qui verront la foi par la prédication de lui et de Moïse. Amen. Vous connaissez le sort de ceux qui vont rester après l'enlèvement de l'Église épouse dans la gloire pour le festin des noces de l'agneau. Vous savez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous le savez. Amen. Je vous dis ici tout net. Le signe remarquable des vieilles folles, c'est qu'il meurt en martyr. Ceci est la parole du Seigneur. Amen. Ceci est la parole du Seigneur. Les vieilles folles meurent en martyr. Et le ressuscite pour entrer dans le millénium. Et la Bible dit, les autres morts ne reviennent à la vie qu'après 1000 ans. Frères et sœurs, de toutes les façons, je ne vous conseille pas de choisir la deuxième étape. Je ne vous conseille pas. Et je vous avertis aussi net, alors que nous regardons dans les yeux le message que Dieu a donné à William Branham et qui est publié sur toute la surface de la terre maintenant, d'abord par le ministère du secteur fidèle et prudent et par les autres ministères de la parole, n'est pas destiné à faire quelque forme. Alléluia. Le message n'est pas destiné à faire quelque forme. Le but du message, ce n'est pas de faire quelque forme. Le but du message, la restauration de toutes choses, c'est restaurer l'Église dans son état initial. Amen. C'est pour nous amener à une unité parfaite avec le Christ et avec sa parole. Amen. De sorte à être l'épouse de l'époux. Amen. Jean l'a annoncé déjà dans Jean chapitre 1, verset 9. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de l'épouse parole. Amen. De l'épouse parole, car l'époux est la parole de Dieu. Et nous sommes parents de sa parole, chair de sa chair, eau de ses eaux, esprit de son esprit, alléluia, puissance de sa puissance, gloire, alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Avez-vous saisi cela? Mon peuple, mon église, ne sera plus jamais dans la confusion. Toute confusion doit être ôtée. S'il y a encore la confusion, cela doit être ôté. Amen. Et la confusion est ôtée.
Alléluia. 850 prophètes nourris à la table de la carne de Jézabel. Même ce ténèbre-là, si le ténèbre est Dieu, allez après lui. Si c'est Paul, allez après lui. Quelle grande confusion en Israël. Le peuple ne répondit rien. Oh là là, quand je lis cela, mon cœur tristé de savoir que ce peuple qui s'est relevé à Paul, Isaac et Jacob, qui s'est relevé aux enfants d'Israël, dans, en Égypte, Amen, Tamia, après plus jamais, Amen, déployé. En Égypte, pas des signes, des prodiges et des miracles. C'est pas pour rien que dans le désert, ils ont fait un veau d'or et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Frère, nous devons faire très attention. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous avez le message, vous n'êtes pas arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. Israël avec le message. Ils sont sortis de l'Égypte. Venus dans le désert. Mais ils ont fait un veau d'or. S'il vous plaît. Ils ont fait un veau d'or. Vous connaissez le Dieu d'Israël? Plus qu'Israël, le Dieu tout-puissant, c'est ce Dieu-là qui s'est révélé en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que les païens aussi ont fait des dieux partout dans le christianisme. Ce n'est pas pour rien. Amen. Alléluia. En condition d'être Israël, on n'allait pas faire cela. Vous avez fait pire qu'Israël. Les nations ont fait pire qu'Israël. Pire qu'Israël. Mais Dieu a grâce. Alléluia. Amen. Amen. C'est par la parole que la confusion est ôtée. Israël ne sait pas qui est Dieu. Si c'est l'Éternel, si c'est pas. Vous pouvez imaginer, aujourd'hui, les gens ne savent pas le baptême du pays. Si c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, ou si c'est dans les guides de Père, ou si c'est Esprit. Ils disent, c'est la même chose. Jamais du tout, ça ne peut être la même chose. Amen. Le sort de Jérusalem, le jour de la Pentecôte, quand Pierre s'est tenu là, devant 17 nationalités, l'a représenté, c'est-à-dire presque toute la terre était représentée. Amen. Alléluia. Et Pierre se tend sans instruction pour prendre la parole et dire, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui, Seigneur et Christ. Alléluia. Non seulement à la croix, à sa mort, à sa résurrection. Et il eut alors le cœur du pas touché. Le discours a touché le cœur. Aujourd'hui, si ce n'est pas pour dire qu'ils vont avoir du travail. Avoir du travail a touché le cœur de qui? L'évangile social. Lorsque Frère Franck est arrivé, nous sommes allés dans une église, une des églises nationales, on allait, et le pasteur aujourd'hui. Bon, j'espère que votre missionnaire qui arrive, il ne prêche pas l'évangile social. Et bien, si c'est ça, on parle ensemble. L'évangile social, ou bien l'évangile de mariage. Viens chez nous, ici on se marie bien, on ne casse pas le mariage. Et voir le faux Dieu qui arrive, il tire une de nos sœurs, et puis demain on ne le trouve pas. L'évangile de prospérité, la foi de 10 000, de 20 000, de 100 000, cela ne touche pas le cœur. Amen. 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 Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de la délivrance. C'est la puissance de la vie. Alléluia. Savez-vous que dans le Lévitique, là où le sang passe, Lévitique 14, lui aussi passe. Amen.
là où vous avez reçu la naissance par le sang, par la puissance de l'évangile, alors le Saint-Esprit vient pour accomplir son effet. Absolument. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Attendez le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est notre Dieu. En appel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. À deux reprises. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimé serviteur de Dieu, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors quand il dit cette tenue-là, avec la restauration de l'autel, qu'il a tout positionné et qu'il a invoqué le nom de l'Éternel et que le peuple est descendu pour tout consumer, pour apporter la confirmation qu'Élie est un homme envoyé de Dieu, alors le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Peuple de Dieu, pour vous crier ainsi que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cette grande et puissante visitation que Dieu nous a accordée en ce temps de la fin, mais encore de nouvelles confusions dans le message du temps du soir. Encore de la confusion, et ça mon cœur très attristé. Encore de la confusion. Ne me dites pas le contraire, s'il vous plaît. Je ne parle presque pour le pays. Ne me dites pas le contraire. On est presque toutes les églises, ne dites pas le contraire. Il y a toutes sortes de confusions, toutes sortes de confusions, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements dans le message de soi. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Toutes sortes d'enseignements. C'est vrai. Mais la Bible est vraie. La Bible est vraie. S'il vous plaît, la Bible est vraie. Le message est vrai. Le message est vrai. Le message est vrai. Le message est public. Le message est vrai. Je vous en supplie. Alléluia. Les hommes sont faux. Ils peuvent être faux. Mais la Bible est vraie. Le message est vrai. Le message est vrai. Ne quittez pas la parole. Ne quittez pas le message. Restez là en ligne. Restez en ligne. Vous n'avez pas crié alors que le pauvre sous parti de pouce s'éloignait. Il a crié. Restez en ligne. Restez en ligne. Et s'est réveillé dans le sommeil, dans la vision, tout en criant, restez en ligne, restez en ligne. Alléluia. Ici est l'heure, ceci est le jour où nous devons revenir à l'authentique prédication de la parole. Pas autre chose, mais la prédication de la parole. Il fut dit à Timothée, envoie à Timothée. Alléluia. Le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais il y a la témoignation d'entendre les choses agréables. Ils se donneront pour le docteur selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Je ne rentre pas dans le détail. Mais selon leur propre désir, ils se donneront une foule de docteurs. Alléluia. Mais toi, prêche la parole. Alléluia. Prêche la parole. Ceci a été donné à Abraham. Il a arraché cette page de sa Bible et l'a mis dans la pierre angulaire, là au temple, au grand tabernacle. Ceci a été donné à Ewa Franck. Vous voyez, alléluia. Ceci lui a été donné. Le même passage. Gloire soit rendue à notre Dieu. Toute confusion doit être ôtée. Revenons aux Saintes Écritures. Tout ce que fait Abraham a prêché, ramenez ça à la Bible. Car il a dit, j'ai prêché le même message que Paul. J'ai prêché la même parole que Paul. Aucun prophète ne peut contredire un autre prophète. Cela n'est pas possible. Aucun prophète authentique ne peut contredire un autre prophète. Alléluia. Il dit, j'ai prêché exactement, exactement comme Paul. Amen. Alors si vous ne trouvez ce que Paul a prêché, regardez ce que Paul a prêché. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Alléluia. Moïse a écrit les écrits, la loi.
comme je le disais, il a été dans la parole avec le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Alléluia. Il a été donné d'écrire le Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Les autres ont écrit morceau, mais Paul a placé l'Église dans la doctrine fondamentale. Il a fait asseoir l'Église dans la doctrine fondamentale. Même la Sainte-Seine. Il n'était pas là sur le Seigneur, la Sainte-Seine avait ses disciples. Mais il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Comment il a reçu? Divinement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire et honneur et louange soit à notre Dieu. Amen. Et alors à la fin, le Seigneur dit, je vous amènerai lire le prophète. Ce qui est lui le Tishbi, après l'Ancien Testament, et lui le prophète, il tient encore le temps pour accomplir la même chose. C'est-à-dire quoi? Que même qu'il n'y ait pas le Tishbi, il a rétabli les 12 hôtels et il a rétabli l'adoration. Ainsi, les lignes, la fin, à la fin des temps, Dieu va, le Seigneur va élire pour la restauration de la doctrine apostolique. Et l'Église est couronnée de la doctrine des 12 apôtres. Alléluia! Gloire! Rien ne doit être ajouté à ce calendrier. Ceci est le jour. Le retour à la Bible. Pas d'émotion. Pas ce que vous voulez prêcher. Prêchez ce que dit la Bible. Lisez ici et prêchez cela. Et vous, peuple de Dieu, recevez ce qui tient la parole de Dieu. Que l'homme soit reconnu pour ma cœur. Et Dieu vous plaît. Ne croyez pas ce que je vous dis. Si cela vous dit, n'est pas de la parole du Seigneur, rejetez cela. Gloire au Seigneur. Personne n'a à se légitimer. Amen. Dieu ne confirme pas un homme. Dieu confirme sa parole. Il confirme sa parole. Amen. Oh. Je vais aller avec ça tout couteau. Et même j'ai fini. Alléluia. De quoi s'agit-il, chers frères et sœurs? De quoi s'agit-il aujourd'hui? De quoi s'agit-il aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, et cela est très malheureux dans le monde entier, qui n'ont pas le plan, et ne connaissent pas le plan, et s'ils ont le plan, ils ne savent pas lire le plan et veut construire et veut bâtir. Mais Paul dit que ceux qui bâtissent fassent attention sur le fondement. Ils doivent faire attention. N'est-ce pas? C'est pas le fait. Oh, et plusieurs s'envoient. Mais Dieu doit envoyer. Amen. Il dit quoi? Je vous enverrai Élie le prophète. Oh, et de la voiture alors qu'on venait se faire à faire ce pont-là. Alléluia, et ça a saisi mon cœur. Alléluia. Il ne sait pas que cela a saisi mon cœur. Cela bouillait dans mon cœur. Je dis, c'est vrai. Il me donne un morceau. Le Seigneur dit, il est vrai. Élie vient là. Il est vrai. Cette parole est vraie. Cette prophétie est vraie. Ceci va s'accomplir. Il est vrai qu'il vient là. Nous allons considérer que c'est Jean-Baptiste. Mais je vous dis, il est venu en parlant de Jean-Baptiste. Mais, alléluia, il est vrai. Oh, pourquoi ne sort-il pas? Il est vrai qu'il vient là. Cela sera vrai. Et il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et il y est venu. N'est-ce pas? Je vais parler comme le Seigneur. Et il y est venu. Et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Amen. Nous sommes alors dans ce dernier tournant. Où le message est sur le point de retourner en Israël. Avec force et puissance. Parce que le message ne peut venir parmi les nations. Dans la faiblesse.
Mais c'est dans la démonstration et la puissance que le message est venu parmi les nations. Le message retourna parmi les Juifs dans la puissance. Dans la puissance. Alléluia. Dans la puissance. Et il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Je vous enverrai Élie le prophète. Et là, je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Cela n'a pas été vrai. Amen. Mais cet morceau, ce morceau qui dit, vous mangerez, doit être aussi vrai. Si vous ne mangez pas, la confusion demeure. Et plusieurs sont dans la confusion parce qu'ils refusent de manger. Ils refusent de manger. Alors la confusion demeure. Alléluia. Papa va perdre de l'argent en banque. Il peut faire de grands champs, récolter des ignames, de la banane et tout, mettre dans le cellier, c'est-à-dire au coin de la cuisine. Amen. Si maman ne prépare pas, vous mourrez de faim. Malgré tous les biens et malgré toute la parole qui a été emmagasinée par le prophète, si cela n'est pas distribué, pour que vous receviez comme la véritable parole de Dieu, pour la consommation, en fait que tout ce qui est confusion, que vous avez reçu en vous, vous devez reconnaître. Nous dans le message, nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître. Souvent nous ne reconnaissons pas que nous sortons de toutes les églises, de toutes les différentes églises. C'est là-bas que nous sommes. Nous avons été enseignés, formés d'une certaine manière, enseignés d'une certaine manière. Lorsque l'homme, quelqu'un est noyé et qu'il a pris de l'eau, la première chose, c'est de le faire sortir de l'eau. Amen. Dans l'eau, vous ne pouvez pas appuyer son ventre pour que l'eau sorte. Il faut d'abord qu'il sorte de l'eau. Vous faites tout pour le sortir de l'eau. Sur le visage, vous le couchez d'une certaine manière. Alléluia. Et par le système voilà, c'est le seul étage. Alors, vous appuyez son ventre. Vous appuyez, et l'eau sort au fur et à mesure. 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 C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On a trop bu à la source de Rome. On a trop bu à la source de Babylone. Trop bu. Amen. Cela est difficile que cela sorte de nous. On a pris cet enseignement comme étant biblique. Alors que c'est l'enseignement parmi le mien. Religieux, dénominationnel, 100% biblique. Alléluia. Même dans ce message. Amen. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Amen. Alors, le Seigneur veut une ses prophétiques. De William avec les signes miracles, les prodiges qu'il a accompli par lui. Dieu fait intervenir le ministère de docteur, de la personne du secteur qui est le pourtant, notre le micro à fond. Ceci est vrai. C'est la parole du Seigneur. Amen. Quel est homme de secteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses champs, 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 pour leur donner la nourriture, pour leur donner la nourriture. Amen. Autant qu'on est là. Pour leur donner la nourriture, pour leur donner à manger. Amen. Parce que toute confusion doit être ôtée. Donc, pour le dire à Timothée, tu sais de qui tu les as reçus. N'est-ce pas vrai? Tu sais de qui tu les as reçus. Aujourd'hui, la prédication apostolique doit avoir son jour. Amen. Amen. Exactement comme le temps des apôtres. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors s'accomplit Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Il a donné les œufs comme. Amen. Pour ces différents ministères, dans le monde entier, alléluia, recevant la nourriture qui est distribuée, pour que toute confusion soit complètement ôtée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il s'agit de la confusion qui soit ôtée. De quoi s'agit-il, bien mes frères et sœurs? De quoi s'agit-il? Le nouveau commencement dans le changement de siècle. Le nouveau commencement. Un commencement nouveau. Amen. Alléluia. Au commencement, c'était l'église apostolique. Nous avons vu ce que Dieu a fait. Et la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. N'est-ce pas vrai? Il s'agit de l'église à la fin. Et Frère Branham a vu l'épouse au commencement
et au cours des âges, il a vu des églises. Vous connaissez cette vision préalable. Il a vu les églises. Et à la fin, il voit à nouveau l'épouse qui revient, revient. Amen. 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 Alléluia. Et Dieu va faire une répétition de ce qu'il a fait au commencement. Que l'Église une répétition. Mais avant de pouvoir répéter cela, il faut que l'enseignement biblique et apostolique soit rétabli. Parce que d'abord, il y a le ministère de Jean-Baptiste. Amen. Et même ceux qui ont rejeté Jean-Baptiste, la Bible dit, ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur propre égard. Amen. Lorsque vous rejetez un homme envoyé de Dieu, vous avez rejeté Dieu. Absolument. Amen. Alors il y a le ministère prophétique de Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Ensuite, dans le ministère d'enseignement, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez le savoir, il a enseigné. Alléluia. Vous avez appris, les anciens ont dit, mais moi je dis, alléluia, sur tous les sujets, alléluia, il a enseigné. Mais quand il a enseigné, alléluia, il les a conduits où? Il les a conduits où? En Pentecôte, à la chambre. Le Seigneur veut faire la même répétition. D'abord, il intervient par le ministère prophétique d'Élie, William Allen Branham, pour la restauration de toutes les vérités bibliques. Alléluia, par son ministère d'enseignement, il travaille par le secteur fidèle et prudent. Alléluia, selon Matthieu 24, 47 à 47, pour la diffusion de la nature. Alléluia, rétabli pour établir dans le cœur des enfants de Dieu et de l'Église du Nouveau Testament la doctrine apostolique. Alléluia, comme elle était au commencement, comme elle était au commencement. Ramenez tout ce que Frère a dit sur le fondement biblique. Sur le fondement biblique, il y a des choses que je peux vous dire, mais non, ce n'est pas le moment. Je suis en visite, je peux prêcher seulement, vous voyez, le message biblique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous entendez parler de tonnerre, vous entendez parler de crimes de minuit, vous entendez parler de ceci ou cela, je n'ai rien à dire. Alléluia. Mais la Bible est la Bible, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Alléluia. Personne n'a le droit, ni le droit d'interpréter un seul propos de William Allen Branham. Si vous ne comprenez pas, laissez tel qu'est. Amen. Laissez tel qu'est. Si vous n'avez pas assez de justesse pour l'amener aux Saintes Écritures, laissez tel qu'est. Après que Dieu lui-même puisse apporter la compréhension nécessaire au temps marqué. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le commencement dans le changement du siècle, l'œuvre surnaturelle de Dieu avait commencé. Mais c'était un nouveau commencement. Ce fut en 1906. En 1906, avec le mouvement pentecôtiste. Avec le mouvement pentecôtiste. Il y a eu, oui, la fusion du Saint-Esprit, le déversement du Saint-Esprit. Cela est vrai. Alléluia. Et le Seigneur dit à son serviteur, va avec eux. C'est eux qui ont le surnaturel. Va avec eux. Et est allé avec eux. Mais vous savez qu'après la révélation de celle-ci, tous rejetèrent Frère Branham. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter la doctrine biblique, la doctrine fondamentale de l'Église. Oh, gloire et honneur soit à notre Dieu. La fin du commencement, du nouveau commencement, à la fin du nouveau commencement, nous avons expérimenté la fin du nouveau commencement. Et ce nouveau commencement a commencé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1946, par William Allen Branham, quand le Seigneur fait à son serviteur, par le biais de l'homme du Seigneur, pour lui apporter sa commission. Je t'envoie de même que j'ai donné deux signes à Moïse, je te donne deux signes. Alléluia. Et le monde entier a été bouleversé par ce signe surnaturel de la main et du discernement. Alléluia. Des malades étaient guéris. Tout sont des signes et des prodiges, des résurrections enregistrées. Alléluia. C'était le deuxième. Voyez, c'était le deuxième commencement. Le deuxième commencement. C'était le deuxième, la deuxième partie du nouveau commencement. La deuxième partie glorieuse du nouveau commencement. C'était une phase dans le réveil. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Et avec vous, selon le témoin de cette écriture. Alléluia. Le réveil qui tient n'a rien à voir avec vos jeux de prière. Le réveil. Alléluia. Ce sera un réveil authentique. Et un réveil. Alléluia. Vous n'avez pas prié pour que Dieu envoie William Branham. Vous n'avez pas prié pour que Dieu envoie la France.
cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Alléluia. Cela n'a rien à voir. Israël géré par les veilles. Vous, la nation, ne connaissez pas les veilles. Les veilles de nuit, vous ne connaissez pas. N'est-ce pas? Ce n'est pas les veilles de nuit. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Laisse ce qui appartient à Israël, à Israël. Et laisse ce qui appartient à l'Église du Nouveau Testament, à l'Église du Nouveau Testament. Quand il est écrit, quand il reviendra des noces, hein? S'il vient à la première veille, s'il vient de... Mais c'est quand il reviendra des noces. Quand il reviendra des noces, il s'agit de revenir des noces. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'aller aux noces. Il s'agit de revenir des noces. Alléluia. Cela veut dire quoi? Oh, merveilleuse la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Revenir des noces. C'est-à-dire quoi? Alléluia, le mariage a eu lieu dans les airs. L'épouse de la gloire aux noces. Et il revient des noces. Il revient des noces pour visiter Israël. Sur la montagne de Sion. Apocalypse chapitre 14. Il va leur montrer les clous. Alléluia. Et là a lieu ce qu'on appelle le tourment de Jacob. La fête de l'expiation a lieu. On va commencer le massacre des Juifs de 144 000. Quelle merveilleuse parole. Tout le plan est pour vous devant nous. Oh, quand il s'est montré, ils sont scellés, scellés, scellés. Et après, au complet contre lui, le ciel et la terre est comme le, la maison de Salon. Fait comme ça, n'est-ce pas? Ah, je n'ai plus de puissance. Dans cette dimension-là, il n'y avait même pas de puissance. Pas de puissance. Alléluia. C'est bien sûr cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Et alors, le tien d'Apocalypse chapitre 10. Posant un pied en tant que arbre de l'alliance, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et jure par celui qui vit au ciel des cieux, qui n'aura plus de délai, qui n'aura plus de délai. Il reste en ce moment-là, 3 ans et demi. 3 ans et demi pour finir complètement. Alléluia. Avec la prolongation de 45 jours également. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous bénisse. Dans peu de temps, le message biblique va retourner à Israël. Maintenant, église des nations, église de Jésus-Christ. Alléluia, vous devez vous préparer à la rencontre de l'époux dans les airs. Par le message du temps du soir, le message qui nous prépare à la rencontre de Jésus-Christ. Oh, le cri retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Le Seigneur réserve des temps merveilleux. Je le sais et je le crois de tout mon cœur que toutes les conclusions sera ok. N'est-ce pas, cher prédicateur, cher serviteur de Dieu, vous le croyez avec moi que la condition sera ok ici dans la Côte d'Ivoire et le peuple de Dieu, comme un seul homme, sera uni pour porter haut ce flambeau, ce message biblique, ce message divin. Alléluia, l'Église sera restaurée complètement, comme un temps construit, avec les saints ministères. La diffusion pure et extra de la parole de Dieu, comme on t'a apostolique, avec les dons, oh, tous les devoirs dans l'église, alléluia, pour l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il pourrait dire à Israël, Luc du Nord, si tu connaissais les jours de ta visitation. Connaissons-nous maintenant les jours de notre visitation? Dieu nous a visités. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Que Dieu vous bénisse. Mon très cher frère, Eric, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse cette merveilleuse assemblée. Tous les frères, toutes les sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez devoir prier aussi. Pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Amen. Avec une fonction, dispensez droitement la parole du Seigneur pour votre édification, pour votre perfectionnement, pour votre croissance, pour que ce jour-là, personne n'a à rougir, mais que le retour du Seigneur soit une réalité pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers frères et sœurs. Dieu vous bénisse.